tout ce que je suis dans une infinie douceur. Le pouvoir de la gentillesse. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose d'hyper simple, hein, comme j'aime d'ailleurs. Mais je suis très, très touchée par ça en ce moment. Autant par mon environnement, ma famille, les personnes qu'on rencontre. Hier, je me suis baladée dans mon village, le village de Noël typique, là, il neigeait. Et j'observais vraiment ça, la gentillesse versus la frustration, la colère, le stress. Et tout de suite, ce que ça fait ici, en fait, c'était ma révélation de la semaine. Tiens, vous aimez ça, des révélations? La grande révélation de la semaine, c'est ce pouvoir de la gentillesse, de voir à quel point ça ouvre le cœur instantanément. Et comme j'étais bien attentive à ça, je regardais les passants, puis je voyais qu'est-ce que ça faisait ici comme résonance en moi, en fait. Et j'étais attentive à cette résonance ici de me dire « Ah, oh, wow! » Parce que même si c'est des gens que je ne connais pas, qui ne me parlent pas, juste la fréquence et la vibration de cette personne, de rentrer dans un endroit, puis de sentir cet espace de gentillesse, d'amour en fait, hein, parce que c'est la même chose. Et j'ai été touchée aussi par un documentaire que j'ai regardé cette semaine d'une femme très, très forte en énergie, très polarisante même, avec une énergie un peu comme ça. Puis à la fin, j'étais mais attendrie, là, mais ça m'a vraiment touchée droit au cœur. Puis en fait, c'est de là que c'est parti le truc. Parce que je me suis dit, en fait, ce qui reste de ce documentaire, c'est une grande bouffée d'amour ici dans mon cœur. Et c'est beau de voir, et d'ailleurs ce que les gens disaient de cette personne, c'était ça, c'était elle est talentueuse, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est forte, mais elle est tellement gentille. Et là, je ne parle pas d'une gentillesse cucu ou de rose, fleur bleue. Là. Je parle d'une gentillesse de cet état d'être et tant qu'à faire cucu. Allons-y à fond. Film de Noël. En fait, c'est ça, l'esprit des fêtes, l'esprit de Noël. C'est la gentillesse. Hein? C'est offrir de soi, c'est offrir, donner. Et là, je ne parle pas nécessairement de matériellement, de cadeaux. Et on voit le bonheur que ça fait ici, en soi, de donner, d'offrir. Cette générosité de ce que nous sommes nous fait du bien. Parce qu'en fait, c'est ici que ça se passe. Alors, est-ce qu'on pourrait s'offrir ça à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut s'offrir ici, maintenant, cette dose de gentillesse? Hein, ma vidéo de vendredi dernier était sur l'amour, puis là, je suis sur la gentillesse. C'est un peu pareil, mais je pense que c'est ça qu'on a besoin d'entendre beaucoup en ce moment. Parce que quand on est dans cet espace d'amour, de gentillesse, il y a quelque chose ici au niveau de notre cœur, de notre être qui s'ouvre et qui crée une expansion naturelle. Et pendant que ça se passe, c'est comme si on était dans cet alignement-là qu'on cherche tant. Quand il y a ça qui se passe, il y a tout de suite cet alignement-là et c'est très difficile, on ne peut pas être gentil dans le passé ou dans le futur. La gentillesse, cet espace-là d'ouverture du cœur, d'offrir,
de s'offrir déjà ça, parce que c'est ici que ça se passe, ça fait toute une différence. Et si vous avez l'occasion cette semaine, observez ça, observez en vous ce que ça fait quand cet espace-là s'ouvre. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu une période assez difficile et puis j'arrivais pas à me sortir de ça. Et puis, un matin, je me suis levée puis j'ai eu l'élan d'aller aider. Il y a ma mère qui est en souffrance, il y a ma sœur. Et je me suis dit, allez, ça va pas ici. Et c'était pas du déni, c'était vraiment un choix conscient de dire, ben va aider les autres, fais quelque chose, mets en mouvement ça. Et le fait d'aller donner du temps, de l'attention à ma mère, à ma sœur, c'était une période où je me suis beaucoup, beaucoup occupée d'elle. Mais ça m'a fait du bien, là. Ça m'a en fait sorti de cette histoire par laquelle je n'arrivais pas à me sortir. Et c'est ça qui est beau. C'est pas de faire du déni, de vouloir changer les choses, mais c'est de voir comment je peux me réaligner ici au centre de moi et revenir à cette seule réalité qui soit. Parce que c'est toujours de ça qu'on parle. Même si on parle de gentillesse, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de tout ça, de cet aspect de nous, de ce que nous sommes véritablement, comment on peut vivre ça, incarner ça dans notre quotidien. Sinon, ça n'a aucun sens. Et vraiment, cette semaine, c'était vraiment une révélation de voir tout le bonheur que ça fait ici, toute l'ouverture, toute... Ça ne veut pas dire de se forcer pour être bien quand on n'est pas bien, hein? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire de quand je ne suis pas bien, de pouvoir vraiment dire oui à ça. Mais peut-être d'avoir cette gentillesse et cette bienveillance envers soi, de s'accompagner gentiment là-dedans, plutôt que de se juger, que de se taper sur la tête ou de vouloir que ce soit autrement. Gros truc, ça. Vouloir que ce soit autrement. Ça, c'est la souffrance assurée. Il n'y a rien qui devrait être autrement que ce qui est, puisque c'est ça qui est. Ça, c'est du gros bon sens, n'est-ce pas? Alors, quand on peut voir ça, qui est d'une simplicité incroyable, ben, je peux juste voir que ça ne va pas, puis me dire, mais ça ne va vraiment pas, je ne me sens pas bien. Et si j'ai envie de pleurer, ben, je pleure. Si j'ai envie de chialer un bon coup, ben, je chiale. Si j'ai envie de me mettre en colère, ben, je peux aller prendre une bonne marche rapide. Et je dis oui à ça, en fait. J'accompagne avec gentillesse cette sensation, cette pensée, cette histoire, cette émotion qui est là. Mais c'est vraiment ce qui me touche énormément en ce moment chez les personnes, c'est de sentir ça. De sentir tout l'amour, toute la bonne volonté qu'on peut mettre à des choses. Cette attention que l'on porte, c'est vraiment en fait comme d'honorer la vie, d'honorer la beauté, d'honorer ce grand mystère qu'est la vie. Cette vie qui nous traverse, c'est un pur miracle. Hein, on veut des miracles dans notre vie, là. Mais juste le fait qu'on soit là ensemble, qu'on se lève le matin, qu'on respire, c'est un miracle.
Alors, quelle que soit notre sensation, que ce soit psychologique, émotif, que ce soit un souci du quotidien, financier, amoureux, un souci de santé, peu importe, c'est déjà pas agréable que ça soit là. Alors, aussi bien enrober tout ça de gentillesse, de bienveillance, de douceur. Parce qu'au fond, là, une chose qu'on doit se rappeler aussi dans ces moments-là, c'est que tout passe. Ça aussi, ça va passer. Et je pense que dans nos rencontres, c'est ça aussi qui nous fait du bien, qui nous nourrit. C'est cette gentillesse que l'on a les uns envers les autres. C'est toujours ça qu'on dit à la fin de nos rencontres. C'est tellement authentique, c'est tellement transparent, c'est tellement respectueux que ça nous fait du bien. Cette bienveillance que l'on a les uns envers les autres, ça nourrit quelque chose en soi de tellement grand. Et là, on peut voir qu'on a vraiment besoin de ça. C'est vraiment de se rappeler de notre nature profonde, de l'honorer complètement, cette nature de ce que nous sommes. Honorer tout ça. Avoir une gratitude infinie pour la vie qui nous traverse. Et s'offrir d'abord cette grande bienveillance, cette infinie douceur. Parce que quand on le porte ici, ça... Il n'y a rien à donner, en fait, parce qu'on ne donne jamais rien. Mais cette émanation même de ce qui se porte ici fait ce que ça a à faire.